Pas de faute de Mamadou Marim Diallo, mais faute de l'Algérien sur le défenseur sénégalais. Bravo, jeune homme. Ah, il a du métier. Hein. Il a du métier et je veux dire que par rapport au match joué à Libreville, c'est un autre Mamadou Marim Diallo que nous voyons cet après-midi. Et que les supporters des Lions, le public peut être fier de lui. Beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mamadou Kane, Moussa Traoré, attention au pressing, ça va être le but, et but. Faute de Moussa Traoré, petite cause, grands effets. Un but qui est venu contre le cours du jeu vraiment. But marqué par Mefta, sociétaire de la jeunesse sportive de Kabylie. Sur la remise de Cannes, Traoré n'a pas été très très vigilant. Il a trébuché sur le ballon et c'est Mefta qui vient faire le but. Un but grand ouvert. Et donc, première faute grave et premier but marqué à la 30e minute par Mefta sur cette erreur monumentale de Moussa Traoré. C'est vrai que c'est un truc qui va rester à l'esprit. Ce but marqué par Mefta à la 30e minute, nous notons. Ah ouais, dur pour les Lions du Sénégal et pour le public de prendre un but dans ces conditions alors que devant tout paraissait clair. Les intentions des attaquants étaient bonnes, très louables, même au niveau de la défense. Mais il y a eu ce petit hic qui a occasionné le but algérien, obligé maintenant de s'investir davantage en attaque.